Je ne suis pas d'expliquer l'histoire particulièrement, mais c'est un contexte. Par exemple, si vous prenez la Révolution française, enfin, elle a toutes les causes que vous savez, hein, la bourgeoisie qui monte, la noblesse qui descend, enfin, vous voyez le genre. Mais il n'y a pas de doute que l'année 88, 1788-89, il y a eu ce qu'on appelle une crise de subsistance. Les gens ne sont pas morts de faim, mais la récolte avait été mauvaise. Et il y a une très grosse agitation dans les rues. Le 13 juillet 89, encore, il y a deux grosses émeutes de subsistance. On appelle ça émeute de subsistance, où les femmes participaient beaucoup, à cause du pain, si vous voulez. Et le lendemain, c'est le 14 juillet. Je veux dire que le mécontentement social a dégénéré, a culminé, je ne sais pas comment il faut dire, en révolution. Puis après, bon, on n'y a plus pensé du tout au climat, mais il n'y a pas de doute que ça a joué un rôle. Le réchauffement contemporain qu'on connaît par les travaux du GIEC, vous savez, le groupement international d'études du climat, ce réchauffement commence vers 1910, dans le monde et en France, peut-être lié déjà à l'effet de serre. Et alors, à partir de 1910, les hivers commencent à se réchauffer, des années 1920, les automnes, et des années 30 et 40, les printemps et les étés, un peu dans l'ordre. Si bien qu'on a une première culmination du réchauffement, malheureusement, ça tombait mal pendant la Seconde Guerre mondiale, et juste après, enfin, disons, de 1930 à 1950. Bon, alors, on gagne à ce moment-là, on était en France à 11,4 degrés de moyenne nationale sur une trentaine de stations en 1900-1910. Dans les années 40, on est à 12 degrés. On a gagné 0,6. Bon. Et puis ça s'est rafraîchi ensuite. Peut-être c'est une fluctuation. Peut-être à cause des aérosols que répandaient les industries des Trente Glorieuses, qui ont un petit peu diminué le rayonnement solaire. Comment ça va? Et de 1950 à 70-80, on a un rafraîchissement qui n'est pas très fort. On retombe de 12 degrés à 11,7. Puis depuis 1980, disons surtout 1986-87, le réchauffement est reparti très fort et on est remonté à 13 degrés de moyenne nationale entre 2000 et 2008, avec des vendanges plus précoces, de bons vins aussi, des effets plutôt favorables sur l'agriculture. Mais évidemment, dans le long terme, c'est assez embêtant, c'est dangereux.